Chère communauté, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, Shavuatov. Alors, un cadre un petit peu différent. Monsieur Afriat, j'espère qu'on vous voit. Voilà, je voudrais remercier, bien entendu, Monsieur Afriat. Merci, on nous encourage là derrière. Voilà, parce que chaque Shabbat, depuis quelques semaines, en tous les cas, j'ai moi pris sur moi de faire le tour du lac, parce que nous avons un cadre extraordinaire à Créteil. Et tous les Shabbats, je rencontre Monsieur Afriat. Et puis en discutant, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, peut-être après les fêtes de Tichri, eh ben, faire une note positive un petit peu différente, et qui fait partie finalement des mitzvot de la Torah, le fait d'entretenir justement son corps. Alors nous venons de terminer les fêtes de Tichri, nous sommes après une période de Covid où nous avons été chez nous, à la maison, coincés, enfermés, combien ça a été difficile. Nous rentrons en plus maintenant dans cet automne, alors on peut se dire on n'a plus envie de sortir, on veut être au chaud. Et puis en plus, M. Afriat, ça fait un moment qu'on ne trouve plus d'essence, donc il faut utiliser ses jambes. Il faut commencer finalement à s'entraîner. Alors vous savez que dans la Torah, il y a parmi les 613 mitzvot, dans le livre de Devarim, le cinquième livre de la Torah, par Shavai Trantnan, c'est marqué comme ça, « Ushmartem me'od l'enachot echem ». Ça veut dire quoi? Que nous avons l'obligation de faire attention à notre corps, mais od. Parce que si je veux faire des mitzvot, finalement, je n'ai pas le choix que de faire attention à mon corps. Si je veux aller à la synagogue, ben, il faut que mes jambes elles marchent. Je veux mettre les tefilines, il faut que mon bras puisse mettre les tefilines à l'autre bras. Je veux aller faire une visite concernant les malades, et ben, je dois aussi utiliser mes jambes, mon moral, et ça c'est une mitzvah de la Torah. Nous avons énormément de mitzvot dans la Torah, mais cette mitzvah elle est primordiale. Le Rambam en parle d'ailleurs. Maïmonide nous dit comme ça, combien il est important de faire attention à son corps. Alors Rav, je vous écoute. Une question que l'on se pose très souvent. C'est les gens qui nous encouragent. Merci, wow, merci à tous. Voilà, ça c'est aussi Créteil et je voulais en profiter pour remercier aussi le président de notre comité, notre communauté Albert et Lara, qui est aussi donc adjoint au maire à la mairie et combien il s'occupe de cette ville. C'est le Créteil du vivre ensemble. Exactement. Alors j'écoute votre question. Alors, est-ce que on peut prendre du plaisir à faire du sport? Alors, effectivement, votre question est très bonne et on me la pose très souvent aujourd'hui. La mode, c'est beaucoup les salles de sport, c'est d'entretenir son corps. Alors comme je l'ai dit, les mitzvot, finalement, il n'y a pas de contradiction à prendre un plaisir. Je prends un plaisir chaque Shabbat à manger et c'est une mitzvah. Alors je prends également plaisir lorsque je vais courir, lorsque je vais m'oxygéner. C'est une vraie mitzvah. J'ai le droit de prendre plaisir. Bien au contraire, c'est important. Le Rambam nous dit toujours que normalement, on doit chaque jour, transpirer. Transpirer, ça veut dire faire du sport, libérer son corps, essayer de faire donc le meilleur, et c'est une grande mitzvah et j'ai le droit de prendre plaisir. Là où je dois faire attention, et c'est pour ça qu'on a bien fait, et vous avez raison de dire que nous sommes en automne, le sport il marche beaucoup plus en été. D'ailleurs on le voit dans les magazines, on commence à sortir la mode, attention, et l'été à la plage. Le body summer. Exactement. Alors si ça devient en vérité comme les Grecs, ou ça devient de l'idolâtrie, de faire attention à son corps juste pour le paraître, là ce n'est pas bon. Par contre, j'ai l'obligation d'avoir un réel plaisir au quotidien et en faisant les mitzvot. Alors, Ravi, une autre question qu'on se pose également. Peut-on faire du sport pendant Shabbat? Très très bonne question, merci beaucoup. Effectivement, c'est aussi une question que je rencontre très souvent. Alors on a le droit, comme on l'a dit, de marcher, de faire le tour du lac ou ailleurs d'ailleurs, de marcher. Par contre, est-ce que j'ai le droit de faire du sport le Shabbat? Alors c'est marqué que si, on a parlé tout à l'heure de transpiration, si je fais du sport pour transpirer, c'est véritablement problématique et là je n'aurai pas le droit de faire ce sport. Si je le fais pour le maintien de la forme, comme on a parlé, comme la mitzvah qu'on a évoquée, il n'y a aucun problème. Alors par contre, comme nous sommes autour du lac, on doit faire quand même aussi attention, mais on a de la chance ici à ne pas marcher sur la pelouse. Parce que le fait de courir sur la pelouse, on arrache la pelouse et c'est problématique le Shabbat. Donc on peut, vous voyez qu'on peut concilier ce plaisir, ce loisir, les mitzvot, garder nos tzitzit, notre kippa dans cet endroit. Et on peut le faire tranquillement, même le Shabbat, si l'intention elle est pour garder justement sa forme, il n'y a aucun problème. Et on va suivre ce que le Maïmonide nous dit, qu'il faut entretenir son corps toutes les semaines. Voilà pour la petite, en tous les cas, aujourd'hui, minute positive.
Et je pense qu'on a dit qu'on allait peut-être se lancer un petit challenge. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, on en apprend beaucoup avec vous. Merci beaucoup pour ces belles énergies, ces minutes positives, énergie spirituelle, qui donne aussi la force, eh bien, de nous entretenir, de porter encore la maison de l'âme. Exactement. Alors moi, j'avais entendu à l'époque, il y avait un film, on parlait de Forrest Gump, je crois, c'est ça? Oui, cours Forrest. Cours Forrest. Alors nous, ça va être cours Rabbi, et on va aujourd'hui se lancer un challenge. On voudrait que le plus de personnes viennent nous rejoindre, courir avec nous, parler en même temps de Torah, se faire plaisir, combien on en a besoin. Alors je compte sur chacun, on va lancer ça dans les réseaux. Cours Rabbi à Créteil. Venez nous rejoindre tous ensemble. Shavua Tov à tout à chacun. Shavua Tov. Hazak, merci.